Depuis quand les régions existent? Il s'agit d'un processus long qui remonte à assez anciennement à différents découpages qui ont pu exister, notamment pour des raisons économiques ou militaires, notamment du coup sous la 4ème République, on a des régions économiques qui voient le jour dans un début de processus de décentralisation. Et en 1960, les régions qui ont existé pendant longtemps, jusqu'au découpage 2015, voient le jour comme circonscriptions administratives. Et c'est donc alors un échelon déconcentré de l'État, mais sans autonomie. C'est juste un échelon d'action pour l'État. Ensuite, par la loi du 5 juillet 1972, les régions deviennent des établissements publics. Mais il faut attendre du coup le 2 mars 1982 pour que la région devienne une collectivité territoriale au même titre que les communes et les départements. Et ce, dans le cadre des lois de décentralisation, du coup les lois des deux fers, du coup au début du mandat de François Mitterrand. Ce qui va ensuite conduire en 1986 à la première élection au suffrage universel des conseillers régionaux, donnant ainsi une plus grande légitimité auprès du public du conseil régional et de ses actions, puisqu'il était élu par la population. Ensuite, cela va continuer d'évoluer, puisqu'en 2003, la région est reconnue dans son rang de collectivité locale par la Constitution, ce qui sécurise sa position. Il faut ensuite citer le redécoupage 2015 qui fait passer le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 avec des fusions qui ont été assez contestées à certains endroits. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette histoire des régions mais également des départements, nous avons fait une vidéo assez longue sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la voir.